I am arriving. Where? In your house. No. Because I'm on frogging. 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 Press gang. Ah oui. Là je dis oui. Strawberry gang. T'as entendu? J'espère que c'est enregistré parce oui, que. Oui, Doha dit, moi je dis oui. Voilà, donc c'est confirmé, voilà. Ah. Ça juste pour, voilà, parfait, merci. Merci. On est bon, c'est bon, on a la confirmation, il n'y a plus de débat. En fait, Edouard a fait un lapsus révélateur. De quoi quoi? Non, rien. Quoi? Il s'en est même pas rendu compte. C'est vraiment un lapsus révélateur. Bienvenue à tous pour un nouvel épisode des Aventuriers, c'est l'épisode 26. Incroyable, c'est la première fois que tu dis le numéro de l'épisode en épisode. Yes, t'as vu ça parce que j'ai regardé juste avant le numéro. Voilà, parce que ça avait dit on a tourné combien d'épisodes au total? Dans votre 25 donc... Non, puis on s'en souvient aussi du 25 au dernier épisode de... Parce que c'était affiché partout. De Vindic, toi qui l'as affiché partout. Yes. Alors, tout simplement... Du coup, normalement, cet épisode sort un peu en retard parce qu'on a, on a perdu notre avance d'enregistrement. Donc, ne soyez pas étonnés qu'il n'y ait pas eu d'épisode le samedi. J'en suis désolé. C'est honteux. Aujourd'hui, nous faisons des tartelettes à la framboise. Non, quand même pas. Non. Des tartelettes à la fraise. N'est-ce pas? On va pas s'entendre là. N'est-ce pas, Emel? Fraise. Si Fontaine Bleu pour le seul qui dit bonsoir framboise. C'est oui. Attends, je peux augmenter le nombre de fraises. Bon, vas-y. Fraise. Il a l'air fun, Amber. Ouais. Amber, ça peut être fun. J'avais déjà commencé à faire quelques quêtes sur Amber. Donc on a les basiques. Il y a des trucs mécaniques et tout, hein, on dirait. C'est écrit comment, ouais. Amber. Je tape Embers. At Embers. Avec dans un truc. A. Ah non, avec un N. Attends. Ambers. Ambers. Amber. Amber. Avec un E. Ambers. E-M-B-E-R. Amber. Pas mal de trucs, en vrai. Ça a l'air très mécanique. Genre, ça, on dirait un petit peu Immersive Engineering, mais genre avec du un peu plus magie, quoi. Ah bah là, ouais. C'est 100% plus magique, hein. Parce qu'au final, la distribution d'énergie se fait via l'Ember, en fin de compte, et l'Ember, c'est de l'énergie volatile. T'as pas de câble, en fin de compte, t'as juste à binder une sortie, une entrée, avec ton marteau, et je sais plus s'il y a une distance... spécifique, mais en fin de compte, tu verras, il y aura des particules qui vont voler de partout. Donc c'est très joli, hein, comme mode. Nice. Le problème qu'il y a avec le mode Ember, c'est qu'on va prendre un peu de temps pour trouver du Ember. Ah. Parce qu'en fin de compte, pour avoir du Ember, il faut qu'on installe... alors, comment il s'appelle ? L'Ember Bore, il me semble. Et lui, il va aller récupérer de l'Ember, mais il faut descendre au niveau de la Bedrock, et il faut qu'on trouve via un Atmospheric Gauge, donc... une espèce de jauge qui va nous montrer combien d'ember on a dans les chunks. Ah, il y a carrément de l'énergie dans les chunks et tout, ouais. Ouais. Mais en fait, il faut que tu la recherches, cette énergie, et ensuite que tu la récupères avec une machine qui fonctionne normalement. Hein. C'est vraiment fun, en vrai, ce truc-là. Enfin, ça a l'air bien, ouais. C'est pas mal, mais c'est vrai que pour avoir de l'ember au début, c'est un peu long. Hein. Donc, il faut qu'on se fasse en premier comme ta pertinence. Voilà. Voilà. Tenez, messieurs, je vous donne ceci. Alors, attends, je vide mon inventaire. Que je viens de jeter par terre et que personne ne ramasse. Je vide mon inventaire. Minute. Minute. Et du coup, t'as une jauge au milieu. Et plus elle est vers la droite, plus tu as de l'ember dans le chunk. Et si tu vas vers la droite, en a beaucoup. Augmente, par là, ça augmente. Faut se poser. Ah. Elle est even, hein, elle est au milieu. Par là, ça augmente, ouais. Vas-y, Emel, par là. J'ai un endroit très 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 riche, là.
Où c'est quasiment tout à droite, la flèche. Ah la vache, ouais. On dirait ma hype pour Itel, quoi, quand j'ai vu le trailer, quoi. Damn. C'est augmenté, hein. C'est pas mal, ouais. On peut s'installer ici. On aura plus de chances d'en trouver. Ah, attendez un peu en arrière. Là, ici, il y en a plus encore. Là, où je suis. Ah oui, oh la vache. Bah, là, on est à fond un peu. Oh la vache, tout ce qu'on a. Vas-y, sors ta pelle et on descend. Allez, hop. Allez, plus vite, ou sinon je largue des bombes, hein. Oh, non, please. Allez. Creusez, esclave. C'est bien, fort bien. T'as vu un peu comment j'ai bien visé? Juste à côté du lac de lave. Précisément. J'ai évité de me mettre à côté du lac de lave. Ah oui, il y a de l'herbe dans ton lac de lave, c'est normal. Oui, c'est fait exprès. Oui. Ici, il faut trouver de lumber. Non. Non, non. Faut qu'on installe. Il est dans l'air, en fait. C'est autour de toi, en permanence. Tu dois... Ouais, on pourra pas le miner... Écoute-moi. Ferme tes yeux. Ressens le Ember, il passe à travers ton corps. Tu le sens l'arriver là ? Oh, je le sens bien là. Je sais pas ce que fait ML. Mais je suis en train de crafter le nécessaire. Je t'allais. Mais en fait, il me faut des items pipe, des items extracteurs. Ah, oui, des items pipe évidemment. Mais. Évidemment, oui, je vois. Dis-moi le nom d'un truc que tu veux que je te fabrique en même temps. Bah, il voudrait que tu lui fasses une pipe. Je sais. Caminite plate. Tiens, ML, regarde, comme je suis bon. C'est trop bon, Edo. T'en as plus besoin. Excellent, Edo, excellent. Edo, t'es tellement bon, des fois que j'ai l'impression d'avoir un complexe d'infériorité. Ah bon? Et puis des fois, je te vois aimer les framboises au lieu des fraises, et puis je me dis, finalement... Finalement, ça va. Finalement, il est pas si terrible comme gars. Y'a une fuite dans ta pipe. Une fuite de gaz. C'est normal. Attends là, je vais me mettre là. Faut pas allumer la télé là. Oh, c'est la bonne. Vas-y, essaye. Monte voir la voix que t'as avec ça. Vas-y, essaye. Ah oui, attends. Attends, regardez dans le coffre. Hey, salut à tous. Ah, c'est de l'hélium. Et du coup, tu peux également voir normalement. Juste en dessous là, tu peux voir que le truc il est en train de miner. Ah oui, oh la vache. Mais ça fait pas mal ça, hein. Oh, je voulais me mettre dedans. Parce que de base ils y sont pas, c'est juste visuel. Oh. Donc on mine la bedrock pour avoir des petites pierres et du gaz. C'est plus de la vapeur d'eau. Et on en a 3 du coup. Oui. Alors on peut avoir des petits comme ça et on peut avoir des plus gros. Vas-y, mets ta time in the bottle. Oh hey, c'est pas bête ça. T'as vu, hey, t'as vu. Excellent moi-même, excellent. Pleine vitesse, vas-y. Et j'ai cliqué la stone, c'est pas bon. Ah. Oh. Pleine vitesse, oh yeah. Ok. Et la dunstone plate, comment on fait? Enfin, la dunstone tout court, comment on l'a, le lingot? Ah, pour ça, il va falloir qu'on utilise le melter de Ember, le stamper de Ember, et également le... Comment il s'appelle l'autre machine? Le mixeur. Le stamper permet de fabriquer les trucs, des barres, des plates, des flats. Mmh. Ouais. Et en fin de compte, il faut mélanger du bronze et de l'or pour avoir de l'ember. Du coup, moi, j'ai fait un pistolet. Ah. Parce que what déjà? C'est pas chargé. Oui, ça fait. Et Edo, t'as un gros fusil, dis-moi. Si tu savais. Mais tu ne sais pas t'en servir. Vas-y, Yamel, on fait quoi avec ça? Tu peux le prendre avec toi. Il va falloir qu'on se trouve un endroit, on va dire assez spacieux. Ok. Pour qu'on installe toutes les machines, parce que là, il va y avoir de la magie. Hein. Je suis en train de crafter le nécessaire pour qu'on fasse tout ça. Assez spacieux, qu'est-ce que tu veux dire? Genre, une maison droit, une maison d'Edo? Plus une maison d'Edo. Ouais. On aura de la place. Un spacieux petit zizi, c'est ça que tu es en train de... Non, parce que si on fait une maison type roi, on aura beaucoup trop de place. Si on fait une maison type Edo, on aura suffisamment de place. Ok. Si on fait une maison style auré, c'est-à-dire toute faite. Oh. Alors que j'explique à peu près,
Vas-y. Les grandes lettres. Je vais prendre des blocs classiques pour vous montrer à peu près la taille qu'il nous faut. Ah, les grandes lettres. C'est la machine qui va envoyer le Ember. Il va nous falloir un hopper ici pour l'alimenter. Ça, c'est mon dromadaire, par contre. Et donc ? Donc ici, c'est la taille à peu près que ça prend. Et là, ici, il y aura des machines qui vont envoyer l'Ember. Ensuite, il va nous falloir deux melters pour faire fondre et le copper et faire fondre et l'or. Pourquoi ensuite, pas faire la machine directement ? Bah justement, pour qu'on prenne la place et qu'on commence à faire un sol pour la zone. Ah, un sol ? Ah, Donc, tu veux faire quoi comme faut faire un bâtiment par-dessus ? Moi, je verrais bien la Statue de la Liberté. Alors, oui, mais non. Ou une usine, un bâtiment usine. Ah ouais, alors, usine désaffectée, c'est pas mal ça. Il y avait de la slate naturellement ici, donc j'ai envie de mettre de la slate au sol, voilà. Oui, on peut mettre de la slate au sol. J'aime le marbre. Tu sais aussi ce que j'aime, moi ? J'adore les et puis les et puis surtout avec des. Ah, si tu veux Edo, je t'ai affiché dans ta cuisine ce que j'aime moi personnellement. Ah, tu m'as affiché dans ma cuisine ce que tu aimes toi personnellement. Il faudra cliquer sur la structure pour bien voir ce que c'est. Ouais, bien sûr, ouais. La sainte fraise. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, stop je fais rien du tout. Une dégustation de tarte aux fraises plus tard. Est-ce que vous voulez voir la magie d'Ember? J'arrive. Ember. Oh, ça fait des flammes. J'ai pas vu. Eh, ça me fait penser un petit peu à Ça me fait penser un petit peu à Botania. Un petit côté Botania, je trouve. C'est hyper stylé ça. Particules, ouais. Mais ça, faut laisser ouvert. Hein. Faut pas fermer ce truc-là. Faut laisser ouvert au dehors. On voit ça de loin. On peut recharger un item en le mettant dessus ou autre chose ? Non. Comment en fait, on va avoir besoin de ça pour voir combien d'ember on a dedans. Et du coup, dans cette machine qui clairement transforme les ember shards et tout ça en énergie, c'est juste des ember shards que tu mets ou... Tu peux mettre des ember shards, tu peux mettre tous les types d'ember sauf le grid, je crois. Et puis ça l'infuse quoi, ça le brûle quoi, et ça fait de la magie. C'est ça, ouais. Mais voilà, là on est en train de build le stockage d'Ember, et ensuite, ce que j'ai installé en bas qui tire, on va pouvoir le réinstaller en haut, et ça va retirer dans d'autres machines. Ok, donc en bas ça crée l'énergie avec les shards, ça le stocke en haut, et après on l'utilise en mettant autre chose. Ah, un creeper chargé. Prends, on voit. Juste à côté de l'endroit qu'on n'a pas encore sécurisé, et qu'on devrait sécuriser avant de continuer de cliquer partout. C'est pas sécurisé. C'est bon. Par contre, c'est un peu petit hein, comme espace. Hein. Je vous ai dit que ça prend de la place. Hein. Il faut agrandir, messieurs. Ok, bah je vais le faire. Tiens, viens voir. Ouais. Quand tu regardes en bas, tu vois qu'il y a marqué Molten Gun, Molten Copper, et au-dessus... Molten Downstone, yeah boy. Et donc là, tout ce qu'on a à faire, c'est injecter et puis presser. Cliquer sur le levier là-haut. Je le fais. Oh la vache. Damn, ça le refait automatiquement, ouais. Ah par contre, il éjecte directement ça là-dedans. Il éjecte... Ah ok, ça récupère pas en dessous, donc il faut que je mette un bin en dessous en fin de compte. C'est la guerre un peu. Il aurait fallu que je le élève d'un cran, mais c'est pas très grave. Ah ouais. What ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je sais pas, mais. Edo ? Ouais. Aïe. Waouh. Attends, regarde quand ça charge, c'est trop classe, regarde. Merci bien. Ouais, c'est comme si tu faisais un Genkidama là. Ouh. Ah, ça a pas mis le feu à la forêt, dommage. Et le pistolet, on peut le charger du coup ? Brûle, Amel, brûle ! Non.
Le pistolet, j'essaie d'utiliser. Ah si, voilà. Il est joli setup comme ça, mine de rien. J'aime bien. Oh, c'est stylé. Aïe. Ça fait mal ou pas? Non. Pas tant que ça. Avec les armures qu'on a. C'est pour le style, quoi. Ouais. Du coup, messieurs. Oui. C'est comme ça que vous allez faire la base pour Ember? Vous allez juste laisser un sol bleu comme ça? Oh, moi, je trouve ça stylé. Ouais, moi aussi. Là, t'as mis toutes tes machines, Amel, y a pas plus? Y a beaucoup plus de machines. Ouais, d'accord, donc on a pas la place. Place. En fait, les autres machines, il va falloir qu'on fasse un autre Ember Activator. En fin de compte, le setup que j'ai installé là, c'est juste pour ça. Si on veut être tranquille. Mm-hmm. Il faudra installer exactement le même setup ailleurs. Où? Bah là où vous voulez. Où? Mais ça prendra... un petit peu plus... Ah, à peu près la même place. À peu près la même ouais, place. Bon, on peut faire ça juste à côté. L'autre setup, c'est pour quoi l'autre setup? C'est pour faire des crafts avec des lasers. Ah, oh. On peut le mettre juste à côté, là. Non, mais juste à côté, on a... Moi, je dis, on met les trucs et on fait des espèces de ruines. Tu vois on peut. Si c'était des ruines magiques, ça peut être bien. Genre, on met pas de toit ni rien, juste ruines magiques. Ça peut être bien. Ça change, parce que jusqu'à maintenant, on fait des constructions. Mettre que comme sol par-dessus tout ça, moi je trouvais que le marbre il allait bien avec ça. En vrai avec ouais, on devrait peut-être mettre du marbre plutôt que le truc de quark. En plus le marbre a des escaliers. Sinon j'ai autre chose à vous proposer. Ouais. Ces types de blocs là. Ça c'est bien pour faire la lumière. Ça c'est bien. Oh oui, ça fait partie du mode en plus donc. Ça fait partie du mode. Archaïque brique. Est-ce Allez-y. Qu'on peut en avoir masse des blocs comme ça mm-hmm. On peut en avoir en farmant certains mobs. Mais on a beaucoup d'archaïque briques actuellement. Eh non, tu vas brûler. Et il faudrait pas remplacer les blocs sous les machines aussi Moi non, je dis... Non, oui. On laisse bleu. Non, okay. Oh, ok, ça marche. Non, non, mais... Non, ça se remplace. C'est une simple question. Non, mais le bleu, c'était pas terrible en final. Hein. Ok. Excuse-moi. Je pars. Je vais dans l'océan. Voilà. Au fond de l'océan. Je voulais pas dire que c'était pas terrible, je voulais dire que c'était dégueulasse. Je reste au fond de l'océan. On ferait pas des formes... Pourquoi on fait un énorme carré en vrai là? Pourquoi on ferait pas une forme qui suit un petit peu la forme des machines au sol, non? Ok. Alors voilà. Alors Edo, tu recommences tout depuis le début. Non mais parce que... Ouais, non, mais ah ouais, oh, mais il est fixé faut... en plus, il enlève tout, ça y est. Roi. Ça y est. Non, il faut pas tout enlever, il n'enlève pas tout, Edo, non Edo, j'ai stop une idée. It. Non, mais c'est bon. Stop it. Stop it. J'ai enlevé le... Edo, merde. J'ai une idée, Edo. Attends, je remets ça. Il a enlevé le merde, il a enlevé le merde. J'ai une idée si tu veux, Edo. À 3, on déconnecte. 1, 2, 3. Oh, c'était parfaitement timé. Vous avez disparu en même temps, quoi. On va sur Ragnarok tranquillou. Ouais, vas-y, viens, on y va. Allez, ouais. Tu pourras construire comme tu veux là-bas. Tu regardes là-bas, mais... j'ai fait une petite structure. Mais c'est des ruines. Des ruines, le sol serait pas régulier comme ça. Ah. Venez avec moi, viens des ma bande oui. De joyeux compagnons. Oh, merci. On va se mettre loin. On va se mettre par là-bas. Attends, j'ai fini de placer mes blocs. J'ai pas le temps. Je vais très loin, moi. Il a pas le temps. J'ai pas le temps. Je suis vers là où il y a le manoir. Ok. Vous êtes prêts? Ouais. On va juste descendre un tout petit peu histoire d'atteindre la stone. Voilà, là on a atteint la stone, on est pas mal. Je vais installer sur moi cette amulette, ok, le Ashen Amulette. Voilà, l'Ashen Amulette est T'as sur vu, moi. Ouais. Pratique, ça permet de détruire. Regarde. Descends. Non mais regarde. Oh, il y a plein d'items au sol, hop. Ça va, c'est pas mal. Intelligent ça. Donc maintenant que j'ai le H de l'amulette, c'est parti. Vous êtes prêts? Vous allez plus pouvoir jouer. Et voilà, j'ai plein de H. Oh la vache là. Oh la violence. Alors, du truc. C'est un peu violent, oui. Doucement. Oh la vache. Grâce à ça, vous allez avoir du H and Brick. Ok.
Le bruit qui se résonne avec les corps, c'est la trop grotte. Bien avec la résonance. Le laser. Vous voulez voir comment marche le laser, le laser. Oui. On dirait une oui. pizza oui. ton truc là. Oui. Alors, vous pizza, allez prendre. Le laser non. Non. Vous allez prendre. Vous allez prendre un archaic brick. Yes. Vous allez regarder un peu comment il se craft cet archaic brick. Recipe. Tenez, monsieur de Rocky. What? Ah, enfin que j'ai trié mon inventaire. Ça, en fait. Et regardez comment il ah, se oui. craft. Deux sous le sein, deux clés. Voilà, donc c'est deux sous le sein, deux clés et un archaic brick pour en avoir cinq. Mm-hmm. Sauf mm-hmm. qu'en bas, il y a marqué Dawnstone Aspectus et il mm-hmm. y a marqué 4-8. En ouais, fait. Ouais. Ah, je sais totalement ce que ça veut dire. Mais voilà, explique-le quand même. En gros, le craft, voilà, j'explique. En gros, le craft te dit les ingrédients nécessaires, te dit qu'il te faut un Dawnstone Aspectus et te dit qu'il te faut entre 4 et 8 H parce que c'est du H que ça représente la barre. Ah! Mais c'est entre 4 et 8, donc il le sait pas le craft. C'est à nous de le découvrir. Donc le plus intelligent dans notre cas, c'est de balancer 4 et de voir si le craft fonctionne. Évidemment, il va pas fonctionner. Donc mmh, là, mmh. au milieu de la table, on met la brique. On met pas d'épée, hein, s'il vous plaît. On met de la soul sand. Ouais, mais... Par contre, faut pas mettre stack par stack, hein, faut mettre un par un. Alors tu peux mettre stack par stack, mais bah tiens, je te laisse mettre ce qu'il faut. Ça rentre même pas dedans, moi. Faut cliquer sur le côté. Ah. Ah oui. Le problème, c'est ça. Ça revient se restacker dans l'inventaire. Donc j'ai mis le stack. Ok. Ok, ok. Maintenant, il faut là-dedans le Dawnstone Aspectus. J'ai crafté les 5 types différents. Il en faut juste un. Alors. Le Dawnstone Aspectus, alors. Le Dawnstone, ouais. Je le mets où dans l'un des deux piliers que j'ai mis sur les côtés. Parce que t'as des crafts qui te demandent plus d'un pilier. Voilà. Et ensuite, tu vois le lightbox que t'as quand tu vises le truc orange là. Mm-hmm. Faut que tu mettes du H dedans. Celui que j'ai miné tout à l'heure. Ah. T'en mets 4. H. Et là, faut vraiment mettre que 4. Faut mettre un stack. Duck, comment ça... C'est bon ? C'est bon. Et bah là, t'as un bouton. Tu cliques dessus et attention, les yeux. Wow ! Oh. Hop, et là, il a fait le craft, ça a été assez rapide. Ah, donc, ça l'a pas fait le craft. Ah oui, ça fait des waste. Et il y a marqué quoi dessus? Marqué quoi? Dawnstone et Nucarassi 4. Il donc en faut 8. En gros, il en faut 8, c'est ça. Nice. Donc, je te laisse leur faire et en mettre 8, et puis tu verras que le craft va fonctionner. Et là, il a fini le craft normalement. Il t'a pas fait de waste. Ouais, j'ai eu plus d'archaic brick. Quoi. Voilà. C'est comme nice. Ça qu'on peut en avoir plus si on veut, sauf si on peut tuer. Nice! Un monteur qui imiterait plus tard. Là, tu mets du quartz au milieu, pourquoi donc? Eh non, je suis Satan, j'ai été invoqué pour. Rien du tout en fait. Mm-hmm. Oh. Mm-hmm. C'est, le quartz, c'est pour faire une lampe. T'inquiète. Ça doit être une jolie lampe, je suppose, vu qu'elle est très embêtante à crafter. Enfin, j'espère. Oui, parce que ce serait dommage quand même. Bah, c'est bien connu, hein. Plus c'est chiant à crafter, mieux c'est. Ah, bah oui, hein. C'est une règle d'or dans Minecraft. Tout le monde le sait. Ah, ah voilà. Limar cristal. Ça met là-dedans. Voir la tête. Voilà la lampe. T'es prêt? Mhm. What? C'est de la merde. Qu'est-ce que ça? Ça fait pop des lumières. Ah oui! Oh, c'est nice, nice, je vais en mettre un peu partout. C'est pas mal. C'est des nouveaux verres. Ah. C'est des nouveaux verres. Alors, il y a une jauge de durabilité, évidemment, mais bon.
Yes. Bah, ça, la jauge de durabilité, tu peux la réparer dans l'anvil. Hein. Ah, ouais, peut-être. C'est sympa en tout cas, moi j'aime bien. Oui, il est joli comme mode. Hein. Ça valait la peine, je trouve. Qu'est-ce qu'il fait? Je crois que c'est les lasers bien. Sont au niveau de ses parties génitales. Je pensais qu'il parle comme ça. Putain. On dirait un chipmunk. Essaye de chanter tarte. Comme les chipmunks. Pas mal, pas mal. Bon bah mine de rien, pour partir sur un épisode où on n'avait pas d'idée, on a quand même pondu un truc joli. Hein. Ah regarde, comme à chaque fois au final, à chaque fois on arrive c'est le talent, c'est le talent. Hein. La dernière fois, bam. Bam. Bam, domaine vin rouge. Moi j'ai envie de dire bam, hein, quoi. Clairement. Bam, domaine fruitier, bam, gros moulin et champ, bam, chaise musicale, à chaque fois on a des bonnes idées. Ouais. Et j'ai envie de dire pour et mon moi, chat également, bam, 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 la fraise quoi. Ouais, excellent. Bam, ça. Voilà, oh voilà, 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 la fraise elle est là. Je m'en fous, je vais faire une émote framboise parce que voilà. Bon, et bien merci à tous d'avoir regardé cet épisode des aventuriers. J'espère que vous avez bien apprécié cette aventure dans la magie. N'hésitez pas à laisser votre avis sur un pouce bleu, pouce rouge, commentaire. Texama. Abonnez-vous à la chaîne Texama pour plus de testostérone.